ONG Vivre Mieux, Dameou Rabita. Oliva, c'est pas tout ce que tu vois dans la vie que tu dois manger. Y a des couleurs de vêtements que tu ne dois pas porter. Je dis, y a des nourritures dans la vie que tu ne dois pas manger. Horoscope du jour, jeudi 3 novembre 2022. Bélier, Saturne mettra en lumière certains désaccords avec votre conjoint. Ces désaccords ne menacent pas la stabilité de votre couple, certes, mais ils entravent son harmonie. Acceptez de discuter calmement, en permettant à l'autre d'exprimer jusqu'au bout ses pensées. Célibataire, ce jour, vous aurez de grandes chances de rencontrer l'amour à condition de favoriser son apparition. Ce sera le moment d'établir un vaste programme d'économie. Maintenant que vous êtes libéré de l'influence néfaste de Neptune, vous pourrez beaucoup plus facilement renoncer aux dépenses inutiles. Taureau, si votre vie de couple pêche depuis un moment par défaut de communication, la présence de Mercure pourrait réamorcer le dialogue. Célibataire, aucune influence astrale dans le secteur rencontre. Mais rien ne vous empêche de répondre aux aventures qui se présentent. Il serait vain de compter sur une rentrée d'argent inattendue aujourd'hui. Mais cela ne vous empêchera pas de penser à consommer malin sans mettre à mal votre porte-monnaie. Plus que jamais, il sera nécessaire de mettre du savoir-faire et de la vigilance dans sa consommation. Gémeaux, Vénus, la déesse de l'amour, sera dynamisée, la flambée pour votre bonheur et celui de votre conjoint ou partenaire. Célibataire, des déplacements sentimentaux, des rencontres agréables devront être envisagées avec une grande prudence car vous pourriez vous retrouver lié cette fois alors même que vous désirerez encore conserver votre indépendance coûte que coûte. Avec l'appui du soleil, votre équilibre budgétaire devrait être assez solide. Si vous avez des décisions financières importantes à prendre, qu'il s'agisse d'achat ou d'investissement, renseignez-vous avant de faire un choix. Cancer, grâce à un ciel à si forte coloration vénusienne, à vous cette fois les exploits amoureux sans précédent, les découvertes sensuelles et les performances inédites. Avec la présence de la lune, vous éprouverez le besoin de vous affirmer face à votre conjoint ou partenaire. Votre sens de l'opportunité bien aigu dans l'action de Jupiter vous permettra de compter sur une certaine chance financière aujourd'hui. Mais prenez garde à ne pas sortir de la légalité et sachez refuser les offres douteuses sur ce plan. Lion, d'excellents influx célestes protégeront votre vie amoureuse. L'action simultanée de trois planètes promet une rencontre importante à bien des solitaires. Si votre couple est déjà constitué, ces planètes seront également favorables. Elles vous aideront à établir une relation de confiance et de respect mutuel avec votre conjoint ou partenaire. Dans l'ensemble, votre vie matérielle sera un peu instable. Les discussions d'intérêt seront dures. Mieux vaudra choisir une autre journée pour aborder ce type d'échange afin d'avoir plus de souplesse et de compréhension. Vierge, si votre couple est solide, vous n'aurez nullement à souffrir de cet impact de la lune. Votre conjoint pourrait simplement se montrer par moments un peu distant. Célibataire, Vénus en superbe aspect vous inspirera, vous séduirez avec brio. Autant dire que vous serez très remarqué et très sollicité et n'aurez que l'embarras du choix. Régler sans délai les questions d'argent importantes. Sinon, des complications pourraient bien intervenir et vous vous retrouveriez dans une situation inconfortable. Risque de problèmes de succession. Balance. Cette journée risque d'être difficile à vivre pour les couples dont la relation n'est pas profonde et sincère. Pour les autres, Pluton sera sans effet. Célibataire, le présent aspect de Pluton exaltera vos instincts les plus violents, les plus sulfureux et les plus clandestins.
Vos fantasmes iront donc bon train et votre vie amoureuse sera plus pimentée que jamais. Journée favorable à la finance, mais ne soyez pas trop sûr de vos analyses si vous faites des investissements ou si les spéculations vous attirent. Vous aurez intérêt à tenir compte de l'avis des experts. Scorpion, vos amours conjugales s'épanouiront à un rythme endiablé. Vous n'aurez pas à vous plaindre. Votre partenaire vous admirera et vous aimera. Plus vos sentiments seront intenses, plus vous connaîtrez des joies partagées. Célibataire, avec cet environnement astral, sans doute, trouverez-vous l'âme sœur avant que ne retentissent les 12 coups de minuit. À condition, bien entendu, de bien ouvrir vos yeux et vos oreilles. Les aspects matériels et financiers seront prioritaires. Certains natifs recevront une somme d'argent imprévue. Sagittaire, vu les présentes dispositions astrales, si vous êtes marié, vous serez peu disposé à faire les concessions que requiert votre vie de couple. Célibataire, faites preuve de douceur dans vos relations sentimentales. Méfiez-vous des décisions rapides sur le plan financier. Vous pourriez être déçu des résultats. Soyez moins impatient. Sachez que le temps joue en votre faveur en ce moment. Prenez le temps de réfléchir. Capricorne, l'ambiance de bonne entente conjugale ira en s'améliorant si vous y mettez du vôtre et n'en exigez pas trop de votre conjoint ou partenaire. Votre vie de couple reprendra un rythme plus satisfaisant, mais ne cédez pas à des caprices qui ne feraient qu'apporter du désordre ou des malentendus. Si vous êtes célibataire, vous devriez rencontrer l'âme sœur chez des amis communs aujourd'hui. D'importants problèmes matériels se résoudront enfin au cours de cette journée. Cependant, veillez à ne pas vous laisser influencer par votre entourage. Faites-vous confiance et agissez comme vous l'entendez. Verseau, ceux d'entre vous qui vivent en couple miseront sur la stabilité et la fidélité plutôt que sur la passion. Mais attention, avec Uranus, planète imprévisible qui pourrait provoquer des bouleversements, coups de foudre ou rupture. Célibataire, les chances de rencontre seront augmentées, mais il conviendra de ne pas aller trop vite et de prendre le temps de très bien connaître la personne rencontrée avant de s'engager. Les secteurs de votre thème liés à l'argent ne seront influencés par aucune planète aujourd'hui. Votre équilibre financier ne devrait donc subir aucun changement. Poisson, l'amélioration entamée dernièrement sur le plan conjugal va se poursuivre. Vous chercherez par tous les moyens à améliorer vos relations de couple et vos efforts seront couronnés de succès. Célibataire, la passion amoureuse sera au rendez-vous. Brûlante, intense, votre vie sentimentale vous procurera de très fortes émotions. Vos économies risquent de fondre comme neige au soleil si vous cédez à vos impulsions amplifiées par Pluton. N'oubliez pas que l'épargne reste toujours d'actualité par les temps qui courent. Dame Rabitan, visionnaire astrologue, vous souhaite une excellente journée jupitérienne et vous invite aux rituels qui auront lieu le samedi 5 novembre au temple des grandes victoires en ce qui concerne votre Giotto. Connaître votre Giotto, c'est bien. Faire les rituels nécessaires afférents, c'est aussi bon pour attirer les bonnes vibrations de ce Giotto. Alors, chers amis, sachez que le samedi 5 novembre, de 7h à 19h, vous passez pour donner à manger à votre Giotto et faire le rituel nécessaire. Pour vous qui ne connaissez pas votre Giotto, vous prévoyez 2200 pour avoir la consultation qui va vous orienter. Et quant aux autres qui veulent faire le rituel du Giotto et lui donner également à manger, vous prévoyez 5500 pour ce rituel. Le dimanche 6 aura lieu également des rituels de prospérité, de facilité financière qui concernent le signe Gouda et le signe Sa. Tout ce qui concerne Gouda et tous ceux qui sont sur le signe qui commence par ça, vous allez savoir que vous êtes invité à ce rituel qui vous permettra de vivre mieux avec vos signes du phare. Il faut prévoir 15 000 francs pour participer à ce rituel de 6 novembre. Le 8 novembre, c'est le mardi. Nos amis du signe Scorpion sont appelés à venir faire le bain de purification de l'aura et du réveil de l'étoile de 7h à 23h
A. Prévier à Dovier au temple des grandes victoires de 7h à 21h à Boïcon et à Parakou. N'oubliez pas non plus que à partir du 10 novembre, nous serons bel et bien à Abidjan pour un séminaire pour la concession et pour des orientations spirituelles. Pour tout renseignement, appelez-nous 96 44 90 94 46 15 75. Et pour nous appeler, pour déjà prendre rendez-vous et prendre une place pour la consultation sur Abidjan, appelez plus de 125. Pour ceux qui sont à l'extérieur, vous mettez 5 02 23 74 64. Ou bien si c'est un parent qui est déjà en Côte d'Ivoire, vous lui dites de taper 05 02 23 74 64. Merci à vous et que les bénédictions soient.